Voici une autre incroyable expérience, le Cold Gun numéro 3. Quelles sont ses nouveautés? Essentiellement la puissance. On utilise 4 condensateurs de 400 volts et 220 microfarads chacun, totalisant un banc de condensateurs de 400 volts et 880 microfarads, soit une énergie accumulable de 70,2 joules. Au niveau de la bobine, on a mis des bords en bois de chaque côté pour que le diamètre de la bobine soit régulier, ce qui augmente la puissance magnétique. Sans oublier le système de rechargement 5 fois plus performant qui permet de recharger le banc de condensateur en moins de 15 secondes. On va directement commencer les tests, on recharge. Ça consomme 2,5 A sous 12 volts. Le chargement est très rapide et de vitesse constante. Nous sommes à 200 volts sur les condensateurs de 400 volts. On va s'arrêter à 400. Voilà, on utilise toute la puissance de ces condensateurs. On met le clou, il y a un marquage à l'endroit précis où c'est le plus puissant. On appuie sur le bouton et feu. Maintenant, on va faire une batterie de test. On va commencer par ce pot en verre. On prend les précautions nécessaires, bien évidemment. On met le clou dans la bobine. Et on commence le rechargement. Attention, feu. Test sur une canette. Feu. La canette a été complètement transpercée par le clou. On va faire un test sur un morceau de carrelage absolument incassable à la main. Attention, feu. Test sur les morceaux restants. Feu. 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 Test sur une feuille de papier. Test sur un CD. Imaginez comme un clou peut réussir à casser un CD. Et pourtant, feu. Test sur ce qu'il en reste. Feu. Test sur une planche en bois. Feu. Deuxième essai. Feu. Attention. Feu. Test sur une boîte de cassettes. Feu. On va court-circuiter l'énergie des condensateurs au lieu de l'envoyer dans la bobine. On le recharge seulement à 200 volts, sinon ce serait un peu trop violent. Le résultat est vraiment très impressionnant. Attention,